Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Et aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Mais avant de commencer, petit rappel, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs, n'est-ce pas, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nom varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment. Mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra ressentir. Et qu'il nous faudra retenir, pardon. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Et selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés, quel chemin emprunter et quel but poursuivre. Les archanges et le signe auquel ils appartiennent, Capricorne, eh bien c'est l'archange Azraël, celui à qui Dieu vient en aide. Ce bel archange Azraël est associé au signe du Capricorne, on le surnomme aussi l'ange de la mort. Attention, ne vous méprenez pas, ce n'est pas que quitter la terre, ça peut être la mort d'une situation, la mort d'un couple, voilà, ce n'est pas que la mort physique. Hein. Son rôle est celui d'un passeur, il nous aide à traverser la mort et console nos proches et les accompagnant tout au long de leur deuil. Si vous avez perdu quelqu'un, perdu un amour, vous pouvez solliciter l'aide d'Azraël afin de guérir et d'avancer. Ce bel archange, Azraël, est l'ange de la mort, la fin qui symbolise le renouveau, la fin d'une période, le changement de vie, comme l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Azraël apporte confort et amour à ceux qui sont en deuil, à ceux qui vont mourir. Il facilite les contacts avec l'au-delà. Faites appel à ce bel archange quand vous devez affronter la mort, que ce soit celle d'un proche, d'un ami ou d'un animal, n'est-ce pas? Azraël n'est pas à craindre. Il faut le voir comme un guide qui nous conduit d'une existence à une autre. Il ne se contente pas d'apparaître lorsque la mort est proche, il reste aussi présent pour apaiser nos inquiétudes et nos peurs. Ce bel archange Azraël travaille également avec les professionnels dont le métier est d'assister les personnes en deuil. Il les empêche d'absorber, toute la douleur de leurs clients et guide leurs paroles et leurs actions pour que leur intervention ait une efficacité maximale. Mais d'une manière plus générale, Azraël soutient les guérisseurs et les conseillers.
Il assiste ceux qui viennent en aide aux autres, qui leur redonne du cœur, les motive, les réconforte, les soulage. Il aide les conseillers spirituels à élargir leur travail et à inspirer les autres. Et il nous aide à guérir notre cœur en prenant le temps et en réfléchissant calmement à nos sentiments profonds. En période de bouleversement important, il peut nous aider à mieux dormir la nuit et à apaiser notre esprit. Ce bel archange Azraël est peu connu du grand public, n'est-ce pas ? Pourtant, il est certain que nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie à une situation de deuil, de perte d'un être aimé. Et dans ce moment délicat et douloureux, il sera celui qui tendra la main secourable dont vous avez besoin. Il a la mission de passeur d'âme. Il vient réconforter les personnes avant leur décès. Il les accompagne lors du passage vers l'au-delà et les guide avec amour vers la lumière. Par le biais de rêves ou d'autres manifestations, il pourra aussi vous aider à être en contact avec un être cher disparu. Le deuil que vous pouvez avoir à faire peut être lié à une perte, à une séparation, à une rupture amoureuse et même un divorce. Et dans ces cas, eh bien, ce bel archange Azraël pourra aussi venir vous soutenir et vous réconforter. N'hésitez pas à l'implorer, ce bel archange. Il viendra vraiment adoucir votre chagrin. Bien sûr, vous pouvez aussi le prier pour aider toute personne dans l'affliction. Appelez Azraël pour vos proches mourants ou disparus, ainsi que pour aider dans votre ministère formel ou informel. Et vous pouvez, d'une toute petite prière, « Merci de me réconforter dans cette situation de deuil. Aide-moi à guérir mon douloureux chagrin. » Et vous dites le nom de la personne qui a quitté son corps physique. « Je sais que je peux compter sur toi pour l'aider à partir dans la lumière, ainsi que pour m'aider à passer ce cap difficile. » L'aide apportée, eh bien, les réconfort aux mourants et aux personnes endeuillées, passage dans l'au-delà de l'âme des personnes récemment décédées, soutien aux personnes endeuillées, matérielles, spirituelles et émotionnelles. Aucune parure ni aucun comportement particulier ne sont nécessaires, n'est-ce pas, pour invoquer cet archange Azraël. Il vous suffit d'éprouver un désir sincère d'obtenir de l'aide dans une situation de deuil ou de décès. Vous n'avez qu'à vous concentrer et Azraël sera là. Voici un exemple, par exemple, d'invocation. Archange Azraël, je te demande de me réconforter maintenant. Je te prie de m'aider à guérir. Élève mon cœur. Enlève-lui sa lourdeur et aide-moi à prendre conscience des bienfaits que cette situation renferme. Aide-moi à laisser couler mes larmes et à garder contact avec la personne aimée qui se trouve dans le ciel. Je te demande d'emplir ce lien d'énergie pour que je puisse clairement communiquer avec elle ou lui. Je sais que l'être cher est près de moi et que tu veilles sur nous deux. S'il existe des circonstances particulières liées à la peine que vous ressentez et pour laquelle vous demandez de l'aide, présentement faites-en part à Azraël maintenant et remerciez-le avec gratitude. La pierre qui lui est attribuée est la calcite. Prière, cher archange Azraël, merci de guérir mon cœur et de m'aider à avancer dans la vie. Prière pour des chagrins du cœur. Archange Azraël, je te demande de me réconforter et de m'apaiser.
Je te prie de m'aider à guérir toutes mes peines et mes chagrins. Élève mon cœur. Enlève-moi les fardeaux et la lourdeur dans mon cœur. Aide-moi à prendre conscience des bienfaits que cette situation est. Vous décrivez le chagrin. Aide-moi à garder espoir et à connaître le véritable lien d'amour qui puisse m'apporter du soutien et du bonheur. Je te confie ma vie pour que tu puisses agir selon ce qui m'est destiné. Merci avec toute ma gratitude. En situation de deuil, prière. Archange Azraël, toi qui connais la mort et qui aides les défunts à partir vers l'au-delà, je te demande de prendre sous tes ailes protectrices et vous citer le nom de la personne défunte, afin qu'elle ou qu'il puisse partir en paix. Aide-moi à laisser couler mes larmes et à garder contact avec la personne aimée. Et citer le nom de la personne qui se trouve dans le ciel. Je te demande d'intensifier ce lien d'énergie pour que je puisse clairement communiquer avec elle ou lui. Je sais que l'être cher est près de moi dans l'au-delà et que tu veilles sur nous deux. Je te fais part que je souhaite recevoir un signe de l'au-delà pour apaiser mon cœur. Je te remercie avec toute ma gratitude et remercie-le avec une prière. Merci de votre écoute.